Bonjour, monsieur. Monsieur, avez-vous dormi ici cette nuit? C'est déjà le matin. Monsieur, est-ce que vous avez dormi ici cette nuit? Est-ce que tu peux t'assurer que la salle de conférence soit prête? J'ai une réunion avec les stagiaires à 10 heures. Ok, Hein? monsieur. Ok. Oh, cette vie. Certains sont occupés à prier pour avoir un bon mari, tandis que d'autres repoussent le leur. Allô? Ok, monsieur. Attends, comment peut-elle s'oublier de la sorte? D'où est-ce que tu viens? Ne t'approche pas de moi. Où as-tu passé la nuit, Obinna? Tu ne t'attends pas à ce que je te donne une réponse, n'est-ce pas? Hein? Tu vas me répondre. Et si tu ne le fais pas, je vais te casser la tête. Tu sais quoi, Chisoba? Tu peux aller loin en camion, rempli de carburant. Verse-le sur ce bâtiment et mets-y le feu. Je m'en fiche vraiment. Tu comprends? Tu t'en fiches vraiment. Regarde-toi. Juste. Regarde-toi, espèce de stupide et irresponsable mari. Tu pues le parfum de femme. Ce qui veut dire que tu étais avec ta pute. Et tu te places là, tu me parles. Avec cette stupide confiance que tu as là. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas? J'essaie de te changer, mari. Infidèle, tu es un infidèle pathétique. Hé, hey, Chisoba, plus de ça la prochaine fois. Tu n'es rien d'autre qu'un infidèle. Espèce de fils d'un monstre. Oh, tu veux me frapper? Allez, frappe-moi et voyons qui est le plus fort. Non, viens. Viens. Espèce d'idiot. Tu as levé ta main sur moi. Tu as levé ta main sur moi. Tu voulais faire quoi? Mais lève-toi, non? Espèce de fils de pute. Tu crois qu'après ce que tu as fait, tu allais t'en tirer impuni? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me provoquer? C'est ce que je veux comprendre. Te voilà qui soulevait la main. Maintenant, tu ne peux... Obinna, lève-toi maintenant. Parce que la bouteille n'a pas touché ta tête. Obinna, lève-toi. Regarde-toi. Tu es juste une honte pour les hommes. Tu as épuisé toute ton énergie à pénétrer ta pute. À pénétrer ta pute. Et maintenant, une petite bouteille. Une bouteille qui ne s'est pas cassée sur ta tête. Tu es couché. Regarde-toi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Obinna, réveille-toi parce que toi et moi allons terminer ce que tu as commencé. Tu m'entends? Obinna. Obinna. Obi, Obi, réveille-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Obinna. Obinna. Comment peux-tu être aussi méchante et stupide? Est-ce que tu sais que tu as même failli le tuer? Quand il va rentrer? Hein? Je vais continuer ou je me suis arrêtée? J'ai comme impression que tu deviens déjà folle. Oh, incroyable. Je fais simplement ce qui est juste. J'arrange mon mariage parce que je ne vais pas laisser Obinna m'infecter avec des MST.
Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux d'aller à l'hôpital le voir et après aller chez son père, lui demander des excuses. Quoi? J'ai dit d'aller demander les excuses. Je t'ai entendu, maman, mais j'ai fait semblant de ne pas t'entendre parce que tu es drôle. Que j'aille demander pardon à son père. Vraiment? Tu es très drôle. Que j'aille demander pardon à son père. Ok, alors, quand je vais demander pardon au père d'Obina, qui aussi va me demander pardon? Parce que de là où je me tiens, je suis la personne qui se fait tromper là. Il est évident que quelque chose ne va vraiment pas dans ta tête. Tout va bien chez moi, maman. Arrête de dire ça. Tout va bien chez moi. Et si quelque chose ne va pas chez moi, c'est à cause d'Obina. Sa vie de débauche, sa nature de coureur de jupons, toutes ces bêtises sont ce qui ne va pas chez moi. Shizuba, laisse-moi te dire une chose. Quelle que soit l'action que tu as menée dans ta vie, tu vas tout assumer. Oh. Tu vas assumer les conséquences. Ah oui, c'est ça. Je ne fais qu'arranger mon foyer. Mmh. Oh oui. Je prie juste qu'on ne te renvoie pas dans la maison de ton père. Maman, arrête de dire ça. Parce que Obina que je connais ne pourra jamais, jamais, jamais me renvoyer. Moi, Shizuba, dans la maison de mon père, Obina m'aime tellement. C'est pour ça que j'essaie de le surveiller. J'essaie de contrôler ses excès en tant qu'une bonne femme. Je suis en train de me battre pour une bonne cause, maman. J'arrange mon mariage. Tu ne sais pas de quoi l'homme est capable lorsqu'on le pousse à bout. Maman, je n'en ai rien à cirer de tout ça. Hein? Raconte ce que tu veux. Ok. Dis ce que tu veux. Pas de problème. Fais ce que tu veux. Quoi? Tu t'en vas? Tu es très drôle, Obina va me renvoyer. Moi, Shizuba, qu'est-ce que tu ne vas pas voir dans cette vie? Mais qu'est-ce que cette génération devient à la fin? Écoute, mec, si tu continues avec ce mariage, tu vas finir par mourir. Je t'assure, tu vas mourir. Allez, Tosier. Pourquoi parles-tu de la sorte? Écoute, je n'ai pas arrivé à ce point. Je sais qu'elle va changer. J'en suis certain. Mec, écoute, je crois que tu devrais appeler ton père. Tu dois aller prendre cette dot qu'on a payée sur elle. Je crois que tu devrais faire ça et vite. Pardon. Dossier, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Est-ce que tu n'en fais pas trop là? Allez, j'ai dit que c'était bon si tu n'es pas arrivé à ce point. Regarde, dans mon cœur, je crois fermement que probablement elle a une collègue ou une amie qui l'influence de façon négative et très bientôt, elle finira par réaliser son erreur. Je te demande pardon? Est-ce que tu t'entends parler là? Tu crois que cette personne que tu as mise dans ta maison qui se fait appeler ta femme, tu crois qu'elle a un peu de regret pour ce qu'elle t'a fait? Non! Et je t'ai dit non avec un majuscule parce qu'elle ne regrette rien. Écoute, si tu dois mettre pied dans cette maison, cette femme doit partir de cette maison. Elle doit partir. Non, mais regarde-toi, regarde ta tête, regarde ce qu'elle t'a fait. Pensez pas à ce que je dis. Donc, en d'autres termes, tu essayes de me conseiller que si je ne peux pas mettre ma femme dehors, je ne devrais plus rester chez moi. Je ne comprends pas. C'est juste une petite erreur qu'elle a commise. C'est ce que tu suggères, ok? Si tu étais à ma place, et disons que ta femme commet juste une erreur, et te frappe juste un peu, est-ce que tu vas quitter ta maison? Mec? Ou vas-tu la mettre dehors? Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Nancy. Je t'ai apporté ça.
Wow. Tu n'étais pas obligée de faire ça. Tu sais bien que oui. De toutes les façons, merci beaucoup, merci vraiment. Je t'en prie. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis vraiment désolée. Ça va aller, c'est bon, tout va bien. Wow. J'ai beaucoup pensé à toi. Allez, Nancy. Pouvons-nous éviter de faire ça ici? Tu es quelqu'un de bien. Tu es un homme charmant, Obi. Tu mérites de connaître le bonheur. Tu mérites d'avoir la paix. Le mariage t'oxyde. S'il te plaît. Je ne veux pas qu'on fasse ça ici. S'il te plaît. Je ne sais pas si tu as une idée du niveau jusqu'où j'ai... jusqu'où j'ai dû cacher ces sentiments. Je t'aime. Je t'aime énormément. Nancy, si vraiment tu as du respect pour mes sentiments, alors tu écouteras mes conseils. Et ne pas ramener ce sujet ici. Au moins, pas ici. Tu as raison. De toutes les façons, merci pour le... le cadeau. Tu le mérites. Je contemple encore avec lequel je vais commencer. Nancy? Je crois qu'il est temps que tu rentres. Non, non, je vais bien, je vais bien. Je vais rester ici. Ok. Que va-t-il se passer si ma femme entre là? Elle n'a aucune connaissance de l'hôpital dans lequel tu as été admis. Et de plus, le médecin m'a dit que ça fait 2 jours que tu es ici et elle n'est pas passée te voir. C'est ça. Il se fait tard, évidemment. Le fait que tu conduises la nuit n'est pas vraiment prudent. Tu sais... je ne veux pas te mettre en danger. Parce que je ne sais pas ce que je deviendrai. Je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, peut-être. Est-ce que tu as quelque chose en tête? Non. Je n'ai rien en tête. D'accord. Is it a crime?
Je crois que je me suis laissée emporter. Je ne l'ai pas bien traité. Tu l'as très mal traité, Shizuba. Mais pourquoi? Et je l'aime. Il m'aime. Je crois que je dois aller à l'hôpital et lui demander pardon. Il mérite des excuses venant de moi. Non, attends une minute. Non. Jamais de la vie. Je ne peux pas lui demander pardon. Comme ça, Obina va commencer à croire que je l'aime subitement beaucoup. Ouais, je ne peux pas le laisser penser ça. Je ne peux pas le laisser croire ça. C'est lui l'homme. L'homme devra aimer la femme plus. Et en tant que l'homme, il devrait être capable d'accepter certains caprices d'une femme. C'est une petite blessure, il ira bien. Non. Je sais qu'il m'aime. Il me pardonnera tous mes péchés. Mais je ne vais pas m'excuser. Je ne le ferai pas. Nancy. Nancy. Oh mon Dieu. C'est le matin. Oui, bien sûr. Je viendrai plus tard en soirée pour te voir. Eh bien, ça ne sera pas nécessaire. Je compte rentrer à la maison plus tard dans la soirée. Ok. Alors, quand est-ce que je vais encore te revoir? Sincèrement, je ne sais pas. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris la nuit dernière. Je n'ai pas pu me contrôler. Pardonne-moi. Allez, Nancy. C'est bon. Je veux dire, tous les deux, nous sommes des adultes. Ça ne sert à rien de s'excuser autant, ok? Ça suffit, c'est bon. Je comprends très bien, c'est bon. Hmm? C'est bon. Bye. Bye. But 'cause I love you, and I love you, I'm taking what you throw at me. Not because I am crazy, but 'cause I love you. Oh, I love you. Is it a crime to love you the way that I do? Is it a crime to love you? Is it a crime? Oh, I wanna know. Is it a crime?
Mec, t'es sûr que c'est prudent de rester avec elle? C'est bon. J'irai bien. Je pense toujours que c'est mieux pour toi d'aller au poste de police avant d'entrer chez toi. Dossier, regarde. Je ne pense pas que la situation actuelle soit si grave. Tu sais quoi? J'ai pris la résolution de ne pas m'engager dans la bataille de mots avec elle. Et je crois qu'elle va respecter mon silence et elle va peut-être changer d'avis. Changer d'avis? Une femme pareille ne peut pas se lever un bon matin et changer d'avis juste comme ça. Mec, tu dois faire très attention. C'est d'accord, je ferai attention. Fais-moi confiance. D'accord, si tu le dis. Mec, je te le redis, s'il te plaît, fais attention. J'irai bien. T'en es sûr? Bien sûr, ne t'inquiète pas, ça va aller. T'es sûr que je devrais pas t'aider? Ne t'en fais pas, c'est bon. Merci. Tu prends soin de toi. Je vais t'appeler plus tard. D'accord, merci. Fais attention, hein. D'accord? Prends soin de toi. Plus tard, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. En fait, j'ai été capable de trouver qui est l'amoureuse secrète de ton mari. Écoute, il se voit depuis un bon moment maintenant. Et ton mari est éperdument amoureux de cette fille. Est-ce que c'est la même Anne dont j'entendais le nom? Tu as une idée de ce à quoi Anne ressemble? Non. Eh bien, je ne pense pas que ce soit Anne. C'est une personne qu'il venait de rencontrer. Quelqu'un qu'il venait de rencontrer? Oh. Tout a commencé dans un bureau. Dans un bureau. Dans un bureau. Je le savais. J'ai su que c'était cette secrétaire qu'il avait. Chizoba. Non, mais quel est ce genre de femme? Elle n'a même pas voulu m'écouter pour que je lui dise. Donc c'est toi. Madame, toi. C'est quoi le problème? Tu parles? Quoi? Tu vas t'asseoir là et jouer à l'innocente? De quoi tu parles? Je vais te punir. Qu'est-ce qui se passe? Pas étonnant. Tu t'es placé là l'autre jour en me disant que si mon mari était censé avoir une liaison avec une autre femme, ça devait être avec toi. Parce qu'en effet, c'était toi. Je vais te punir. Je vais te punir. Madame, je suis innocente, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Tu couches avec mon mari et tu me racontes quoi? Que tu es innocente? Tu es innocente? Qui t'a rendue innocente? Quel genre d'être humain es-tu? Tu m'as fait ça. Ma, c'est parce que je respecte mon bon sang. Si vous me touchez encore, je vais me battre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je viens de te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Je viens de te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu sais que je peux te tuer ici? Te tuer ici, rien n'arrivera et personne ne le saura.
Bonjour, monsieur. Docteur, que lui est-il arrivé? Nous avons trouvé des substances dangereuses dans son sang. Ce n'était absolument pas de l'urine. Qu'est-ce que c'est, docteur? Est-ce que vous avez vu une note? Ou vous l'avez retrouvée? De quelle note parlez-vous, docteur? Une note de suicide. Une note de suicide? Mais qu'est-ce que vous racontez? Peut-être qu'il voulait vraiment se suicider. C'est impossible. Mon fils n'est pas suicidaire. Alors, quelqu'un a dû le faire. Chizoba. Donc tu as planifié de tuer mon unique fils. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Écoute, que le tonnerre divin déchire ta bouche en morceaux. Attends une minute. Ok. Donc, tu as emmené les policiers m'arrêter pour avoir corrigé ton fils. Il y a quelques jours, tu as failli le tuer en fracassant sa tête. Maintenant, c'est une substance toxique que tu as mis dans son sang. Ah, je ne sais pas de quoi tu parles. Officier, embarquez-la. Vous êtes en état d'arrestation. Je vais appeler mon avocat. Officier, je vous demande de l'embarquer. Vous avez le droit de garder le silence. Vous le ferez quand vous arriverez au poste. Emmenez-la. My lover, my lover, my crazy, crazy lover. Is it a crime? Ce mariage est très toxique. Obina, rien de bon ne peut sortir de ce mariage. Si tu as pu survivre à cet incident, il faut que tu te sauves pour ton propre bien. Je suis vraiment désolée que ceci t'arrive. Je suis tellement désolée.
Chizoma! 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 C'est toi que j'appelle! Chizoma! Chizoma! Je connais mes droits! Et je ferai qu'il paye très cher pour ça! Chizoma, je t'appelle et tu t'en vas? Chizoma! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de m'appeler pour me dire quoi encore? Pour m'empêcher de le faire? Quoi? Quoi est-ce que tu crées? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? La famille de ton père a reçu une convocation venant de la police. Ça disait quoi? Ils ont dit que tu t'éloignes d'Obi jusqu'à ce qu'il guérisse. Ha! Mensonge! Ce n'est pas possible. Regardons, laissez-moi vous avertir. Ne vous mêlez pas, oh! Ne vous mêlez pas de mon mariage. Que personne ne m'aide avec ce mariage. Parce que mon mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Comment peux-tu être si stupide au point de ne pas utiliser ton cerveau de moineau pour réfléchir? Sais-tu au moins que ton mariage est sur le point de s'écrouler? Mon mariage n'est pas sur le point de s'écrouler. Ça ne pourra jamais s'écrouler. Parce qu'Obina m'aime tellement. Il a juste été tué. Et j'essaie... Ma chérie, est-ce que tu peux fermer ta bouche? Quelque chose dans la tête. Ferme ta bouche! Ne sais-tu pas qu'Obi peut annuler ce mariage? Il ne peut pas. Tu ferais mieux d'aller le supplier avec son père. Que je fasse comment? Va le supplier. Ta! Ta! Qu'ils viennent me supplier. Ils me doivent des excuses. Un camion, un gigantesque avion d'excuses. Lui, son père et toute sa génération. Ce qui les attend, c'est le carnage. Moi, Chizoba. Ils me doivent un camion d'excuses. Chizoba. Ils me doivent tout un jet d'excuses. Qu'est-ce que je m'en vais là-bas? Est-ce que cette fille va vraiment bien? Venant de qui? Je m'en vais là-bas. Ils me doivent tous des excuses. Tous. Tu prends ce qu'on parle. Es-tu prêt? Oh mon Dieu, c'est vraiment sérieux. Je suis en train de te parler. Je vais éteindre cette télé maintenant. Obi. Obina. Obina. S'il te plaît, je veux que tu parles à mon mari pour moi. Je sais que je n'ai pas été gentille pendant un long moment. Je n'ai pas arrêté de lui demander pardon et je dois savoir ma place dans son cœur. Je dois savoir s'il m'a pardonné ou pas. Je savais que tout ceci allait arriver tôt ou tard. C'est pour ça que j'essayais de t'avertir. Ma puce, j'aurais bien voulu que tu m'écoutes.
Je sais que j'étais stupide, je sais que j'étais folle. Mais maintenant, j'ai réalisé que j'étais une idiote et je suis prête à changer. Aide-moi à supplier Obi de me pardonner. On pourra recommencer du début, je l'aime encore. Il doit savoir que j'ai un énorme sentiment pour lui dans mon cœur. S'il te plaît. Chaque femme fait face à des défis dans son mariage. Moi-même, j'en ai eu certains. Et nous essayons également toutes de mettre de l'ordre. Mon ami, je suis désolée, toi-même, tu as détruit ton mariage de tes propres mains. Doris ne dit jamais jamais. Mon mariage peut être arrangé. Tout ce qu'il faut, c'est que tu m'aides en tant qu'une amie à supplier Obinna. Pousse-la à le faire et nous allons nous réunir et raviver notre amour. Et tout ira bien. Je veux dire, haïr est humain et pardonner est divin. Tu sais comment on le dit. Attends, Chidi. N'est-ce pas comme ça qu'on le dit? Je ne sais pas par où commencer. Il est trop tard maintenant. Non. Non, ça ne l'est pas, s'il te plaît. Doris, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Doris. Maman, c'est pour ça que je suis ici. Maintenant, tu penses que je suis la conseillère de ton mariage. Pourquoi penses-tu subitement que je suis la bonne personne à qui tu peux raconter tes problèmes de couple? Maman, j'ai commis une erreur. Ok, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je suis désolée pour ça, je veux juste me racheter. Ma fille, je ne sais vraiment quoi faire. Et même si je savais quoi faire, je ne suis plus prête à me mêler de ton mariage. Maman, je suis sur le point de perdre Obi. Hein? Si tu le perds, viens juste rester ici avec moi, hein? Maman. S'il te plaît. S'il te plaît, non. Je t'ai toujours prévenue. Regarde maintenant. Je t'ai conseillé, mais tu as refusé de mettre mes conseils en pratique. Regarde maintenant. Qu'allons-nous maintenant faire? Maman, je t'en supplie. Chizoba? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une lettre pour toi. C'est quoi ça? Une ordonnance restrictive? C'est ce que c'est. C'est ridicule. Tu m'empêches d'entrer chez moi? La maison de mon mari et moi? Pour sa santé physique et mentale, vous le devez. Il est malade. Il a besoin de moi maintenant. Nous avons découvert que votre présence est toxique pour lui. Vous ne devez plus continuer. Vous aurez 10 minutes à chaque fois que vous lui rendrez visite. Est-ce qu'on est en train de me mettre hors de la maison de mon mari? C'est ça? Prenez vos choses et partez. Ne laissez pas mes hommes vous retrouver ici. Excusez-moi. Ça devient sérieux. Je crois que je suis en train de perdre cette bataille. Non, je pense que j'ai perdu la bataille.
Doris. 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 Hey. Bonjour. Oh, Cheesy. Oui. Où est Doris? Oh. Elle est à l'intérieur, mais elle est occupée à faire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que tu veux la voir? Je voulais juste... En fait, je voulais juste rester chez vous pendant quelques jours. Jusqu'à ce que je me case. Je n'ai pas où vivre. Oh, vraiment? Oui. Je vois. Ok. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la maison de ton mari? C'est une très longue histoire. Shizuba. Je n'aimerais pas que tu apportes ta merde jusqu'ici chez moi. Je ne veux même pas que tu sois près de ma femme. Occupe-toi de ta merde. Mets cette chose hors de ma maison. Laisse-moi voir mon ami. Tu m'as entendu. Mon ami aimerait me voir aussi. Sors de ma maison. Mais est-ce qu'on a un problème? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es méchant avec moi? Mon ami comprendra ma situation. Ok, je vais dormir sur ton canapé. Tu dois partir. Je ne suis pas obligée d'avoir une chambre. Sors de chez moi. Doris. 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 Doris, mais viens, viens. Shizuba, Doris, viens, viens, viens. Ton mari est en train de me menacer. Je ne veux pas t'embarrasser. Oh. Sors de chez moi maintenant. Dehors. Ne m'embarrasse pas. Ne sommes-nous plus des amis. Je ne veux pas te toucher. Sors de ma maison. Doris. Doris. Shizuba, continue de marcher. Ce n'est même pas comme si ta maison était belle. Elle n'est pas belle. Je voulais juste embellir cet endroit. Elle Merci. N'est pas belle. Oui, pas de soucis. C'est comme ça que je l'ai perdue. Je cherche encore des moyens pour me racheter. Je veux qu'il revienne dans ma vie. Cela veut dire que tu n'es plus intéressée à savoir qui est l'amoureux secret de ton mari? Cela n'a plus d'importance. Attends, attends une minute. Tu as dit que la thérapeute a dit qu'elle connaissait l'amoureux secret de ton mari? Oui, mais elle... Elle a nié d'être enceinte de lui. Ne peux-tu pas voir l'écriture sur le mur? Quelle écriture? La thérapeute est l'amoureux secret de ton mari. Ce n'est pas possible. Je t'ai dit qu'il avait déjà commencé à voir son amoureuse secrète avant que je ne donne à la thérapeute cette mission. Alors, pourquoi est-ce que tu as dit que tu regrettais la mission? Parce que j'aurais dû régler les choses calmement. Tu sais quoi? Au début, ça avait du sens. Mais il est évident que tu n'es pas en meilleure position de me conseiller. Où est cet idiot? Nick! Nick! Barry! Nancy? L'amoureuse secrète? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, Obina, je pense qu'il est grand temps pour toi de changer d'environnement. Il faut que tu te reposes. Je veux dire, même s'il s'agit d'un simple week-end, va quelque part, prends du repos. Tu en as besoin. Nancy, où est-ce que tu veux que j'aille? Où? Mon père a une grande maison de vacances à Abuja. Si tu veux, on peut aller là-bas. Juste nous deux. Obina, tu en as besoin. Tu as besoin d'une pause. Ok, ok. Tu as dit quelque chose comme quoi... Tu voulais qu'on ait
une conversation sérieuse. De quelle conversation sérieuse est-ce que tu parlais? Écoute, je suis un peu tendue. Il faut que j'aille aux toilettes. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Excuse-moi. Ok, très bien. D'accord. Je vais le couvrir. Pour stopper les mouches. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Bébé. Tu es toujours en colère contre moi? Bébé. Je veux qu'on parle. Je crois que tu as vu l'anneau de la police qui t'interdit de t'approcher de moi. N'est-ce pas? Oui. Mais j'espérais qu'en ce moment, ta colère aurait disparu. Et j'espérais qu'en ce moment, tu allais connaître tes limites. Et arrêter de t'approcher de moi. Je constate que tu es occupée. Je vais devoir garder la bonne nouvelle pour la prochaine fois. Excuse-moi. Nancy, s'il te plaît, ne gâche pas cette belle journée. Ok. Dis-moi plutôt de quoi tu voulais me parler. Tu sais où me trouver, Tobina. Si tu veux que je t'annonce ta bonne nouvelle. Ah, allez. Hé, hey, Nancy, attends. Attends! Obina! Nancy! Nancy! Je porte ton bébé, Obina! Je porte ton bébé! Es-tu sûre de ce que tu dis? J'ai ta semence qui est en train de pousser à l'intérieur de mon ventre. Mais apparemment, nous deux, ce n'était qu'une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est bon, calme-toi. Shizoba, tu avais raison. Tu avais totalement raison. Je les ai vus tous les deux. Oba. Ah, je ne suis pas bonne en tant que conseillère. Nick m'a quittée. Alors, tu vois, ma chère, je suis trop brisée pour aider une femme brisée. Cette salope était censée m'aider. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? Nick m'a quittée. Oh. Je suis désolée pour ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que tu devrais parler à ta mère. Elle va trouver une solution à ça. Honnêtement, j'ai très honte de moi-même. Je regrette
tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? J'aime ce que j'entends. Pas de soucis. Je vais laisser tomber. Ils peuvent venir. Je serai là. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Obinna veut venir avec sa famille pour me supplier. Apparemment, cet idiot stupide a réalisé qu'il m'a offensé. Et maintenant, il veut me demander pardon. Je suis contente pour toi. Hâte de le voir s'agenouiller et me supplier. C'est parce que je l'aime. C'est pour ça que je vais le reprendre, mais il doit faire le nécessaire, me supplier. J'ai hâte qu'il me supplie. Je suis tellement contente pour toi. Je suis si contente pour moi. Tu es si chanceuse. Eh bien, j'aurais aimé que Nick me revienne aussi. Mais fallait. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ma chère. C'est juste ton esprit que tu dois convaincre. Itie Iweka, nous sommes ici pour annuler le lien entre ta fille et mon fils comme venu. Merci. Voici votre dot. Maman. Voici une lettre du tribunal qui interdit à ta fille de s'approcher de mon fils. Quoi? C'est quoi ça? Ma fille. Je croyais que tu as dit qu'ils étaient ici pour faire la paix. Oui. Pourquoi est-ce que j'entends tribunal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aide et non de mariage, ok? Calme-toi, ça va aller. Obinna. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui ton se passe ici? Doris. Oui? Qui nous a dit ton problème? Notre famille et celle d'Obinna avons décidé d'annuler le mariage. Pour que nous puissions t'aider. Doris. Doris. Qu'est-ce que tu leur as dit? Vu l'évolution récente, j'ai jugé bon leur dire la vérité. Quelle vérité? La vérité sur ta santé mentale. Ma quoi? La santé mentale. Souviens-toi quand on était à l'école. Tu montrais déjà cette attitude agressive et possessive que tu as maintenant. Même si tu étais introvertie. Mais tu changeais d'attitude de temps à autre. Et puis j'ai découvert que tu prenais des drogues dures. Et Doris. Tu as commencé à te comporter de façon différente. Et puis tu as commencé à être dépendante. Quand j'ai vu que tu n'allais pas bien, je t'ai amenée au centre de santé de l'établissement. Après ton traitement, le médecin m'a recommandé de t'amener dans un centre psychiatrique. Ferme-la. Ce que j'ai d'ailleurs fait, et après l'évaluation, le médecin a découvert que tu avais une cyclothymie. Je ne suis pas bipolaire. Doris, ferme-la. Chizzy, souviens-toi, le médecin t'a prescrit des médicaments et il t'a demandé de prendre ces médicaments régulièrement. Mais après un temps, tu as arrêté de les prendre. Et lorsque j'ai essayé de te donner des conseils, quand j'ai essayé de te parler, tu m'as dit non, que tu vas bien. Tu as comploté avec ces médecins pour me mentir et c'est une honte qu'après toutes ces années, tu racontes ce même mensonge. Dieu va te punir. Chizzy, honte à toi. Chizzy,
Tu sais très tu bien que je ne suis pas en train de mentir. Ferme-la. Tu ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas l'accepter. Non, tu ne veux pas l'accepter. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ces drogues? Tu as besoin de ces drogues parce que tu es folle. Tu es malade. Maman, peux-tu imaginer? Écoute ce que ma soi-disant amie raconte. Elle dit que je suis folle. Quand je suis une tarée. Est-ce que je suis une tarée? Non. Est-ce que je suis une tarée? Laisse-le, il va. Est-ce que tu sais que quand cette chose a commencé? Quand on a commencé cette relation, avant que je ne décide de donner ta dot, je voyais déjà tes petites colères. Pourquoi est-ce que tu parles? Dans mon esprit. Parce que tu me mets toujours en colère. Tout le monde se met en colère. Je l'ai vu, je me suis dit que tout le monde se met en colère. Alors oui, tu peux te fasciner d'allons le résoudre normalement. Maman, c'est maintenant arrivé au point où je savais. Où je savais que ma vie était en danger. Je veux dire, ce n'était plus la colère que j'ai vue. La colère s'était accentuée de plus belle. Voilà pourquoi j'ai dû revenir ici. Ainsi, ma vie serait en sécurité. Je me suis emportée. En quoi est-ce que ça me rend bipolaire? Non, non, vous entendez ce qu'elle vient de dire maintenant? Si c'était à la maison, cet homme allait casser ma tête. C'était juste une fois et je me suis laissée emporter. J'ai accepté que je me suis laissée emporter et t'entendre parler comme ça après veut dire que tu le méritais. Tu le méritais et ça devait arriver. Ça devait arriver, monsieur. Shizuma. À croire que je voulais retourner chez cet homme. Ça suffit, ça suffit. Et je porte encore cette foutue bague. Je dis ça suffit. Enlève-la. Enlève-la. On vient de remettre la dot. Enlève la bague. Je vais te soutenir avec le médicament de loin. Je retire la bague. Vrai. Abina, tu m'as dit de retirer cette bague. Et c'est toujours comme ça qu'elle réagissait quand elle était petite. Je croyais que c'était une petite chose, quelque chose qu'on pouvait régler. Maman, je vais bien. Je l'ai même amenée dans des églises. Et on lui a fait beaucoup de délivrances. Oh. Dans beaucoup d'églises. Maman, arrête ça. Je ne savais pas que maman, ça pouvait continuer bien. Comme ça. C'est cette amie maléfique ici. Cette, tu es une sorcière, tu n'es pas mon amie. Calme-toi. Tu n'as jamais été mon amie. Regarde ce que tu racontes pour nuire mon mariage. Tu es avec ah, je nous devons partir maintenant. Je te jure que Dieu va te punir. Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Où crois-tu aller? Shizuma. Personne ne bouge d'ici. Vous m'entendez? Shizuma. Personne. Shizuma. Lâche-moi. Shizuma, calme-toi. Calme-toi. Lâche-moi. Shizuma. Lâche-moi. Mon Lâche-moi. Dieu. Laisse-moi tranquille. Shizuma. Shizuma. Laisse-moi. Laisse-moi. Shizuma. Dieu va vous punir. Shizuma. Lâche-moi. Shizuma. Lâche-moi. Maman, lâche-moi. Shizuma. Dieu va vous punir. Tue-moi. Tue-moi. Dieu va vous punir. Tue-moi. Regardez. Tue-moi, ma fille. Tue-moi. Dieu va vous punir. Lâche-moi. Tue-moi, lâche-moi, tue-moi. Maman, lâche-moi. Il lâche-moi, tue-moi. Lâche-moi. Je tue-moi. Oh, Abina, je vais te tuer. Je vais te tuer. Seigneur. Je vais te tuer cette fois-ci. Lâche-moi. Tue-moi. Idioma, tue-moi. Lâche-moi. I made you my own. Not because of whom you think you are. But 'cause I love you. And I love you. I'm taking what you throw at me. Not because I am crazy. But salut, Nanti. Ça fait du bien de voir une belle demoiselle comme toi chez moi. Enfin. Merci. Sois la bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. J'avoue que tu as une belle maison. Eh bien, Dieu merci. Et merci à toi. Je t'en prie. Pas si vite. Allez, viens. Ok. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Eh bien, j'espère que ça va te plaire. Comme tu peux le voir, je veux dire, chaque homme arrive à ce point où il doit faire un choix. De ce qu'il veut et ce qu'il croit, qui sera le mieux pour lui. J'ai fait ce choix. Et pour moi, c'est toi. Tu es le meilleur choix que je pourrais faire. Alors Nancy, s'il te plaît. Veux-tu m'épouser ?
qui n'aimerait pas se marier à un homme pacifique et charmant comme toi. Tu n'as même pas besoin de me poser cette question. Passe-moi simplement la bague au doigt. Oh, wow. Merci infiniment. Merci, bébé. Wow. Oh mon Dieu. Non, mais vous m'avez piégé. Bébé. Félicitations. Félicitations. Mon pote, comment tu merci vas beaucoup. Oui, merci. T'es le meilleur. Félicitations. Eh bien. Félicitations. Félicitations. Merci. Eh bien, c'est un événement heureux, oui, n'est-ce absolument pas? Absolument. Alors on devait en faire partie. Pas de temps à perdre. Vous savez quoi? Asseyez-vous. Prenez place, peu importe, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous et détendez-vous. J'apporte à boire, okay? D'accord, tu connais ce que je veux. Okay. Je viendrai avec tout, tout. Tu connais ce que je veux. Ce n'est pas gentil. Ah. C'est ce que je vais prendre. Bien sûr. Comme tu es je suis contente. Merci, la sœur. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci. Attends, qui n'aimerait pas avoir une belle demoiselle comme je toi, vous savez. Je t'assure. On est tous contents. Tu es une très bonne personne. Merci. Je te l'assure. Ah, je t'assure, je t'assure.